Bonsoir et bienvenue à tous. Bienvenue à mon récital de perfectionnien. L'an prochain, j'étudierai le violon à l'École des Arts de Strasbourg, mais je termine aujourd'hui mon cursus de 17 années à ce conservatoire, depuis mes tout débuts sur le violon jusqu'à maintenant. Donc le concert que vous allez entendre, qui est préparé pour vous par mes soins, est une restitution en quelque sorte de toute cette première partie de mes études. Donc, je vous en prie, relaxez-vous, asseyez-vous confortablement sur votre siège, éteignez vos téléphones portables, et profitez-en pour oublier un peu tous vos soucis du quotidien, pour 45 minutes que vous avez le droit, et laissez-vous bercer par la musique. C'est volontairement qu'aucun programme n'a été distribué, je vous propose de profiter des œuvres telles qu'elles vous arrivent, et voilà, laissez-vous porter par l'expressivité qui est parfois romantique, parfois moderne, parfois joyeuse et parfois nostalgique, je dirais, des œuvres de la fin du 18e, du 19e et du début du 20e siècle. Et afin de laisser les œuvres résonner entre elles, contraster, je vous propose de n'applaudir qu'à la fin de ce concert. Je vous souhaite, cher public, cher jury, une très bonne écoute. Thank you.
Mon bateau partira demain pour l'Amérique et je ne reviendrai jamais avec l'argent gardé dans les prairies lyriques, guider mon ombre aveugle en ces rues que j'aimais. Car revenir, c'est bon pour un soldat des Indes. Les boursiers ont vendu tous mes crachats d'orfin, mais habillé de neuf, je veux dormir enfin sous des arbres pleins d'oiseaux muets et de singes. Les mannequins pour lui s'étant déshabillés, bâtirent leurs habits puis les lui essayèrent. Le vêtement d'un lord mort sans avoir payé, au rabais l'habilla comme un millionnaire. Au dehors, les années, regardez la vitrine, les mannequins victimes et passés en chaîne. Intercalés dans l'an, c'étaient les journées neuves, les vendredis sanglants et lents d'enterrement. De blanc et de tout noir vaincus les cieux qui pleuvent, quand la femme du diable a battu son âme. Puis, dans un port d'automne aux feuilles indécises, quand les mains de la foule y feuillolaient aussi,
sur le pont du vaisseau, il posa sa valise et s'assit. Les vents de l'océan, en soufflant leurs menaces, laissaient dans ses cheveux de longs baisers mouillés. Des émigrants tendaient vers le port leurs mains lasses, et d'autres en pleurant s'étaient agenouillés. Il regarda longtemps les rives qui moururent. Seuls des bateaux d'enfants tremblaient à l'horizon. Un tout petit bouquet, flottant à l'aventure, couvrit l'océan d'une immense floraison. Il aurait voulu, ce bouquet, comme la gloire, jouer dans d'autres mers parmi tous les dauphins, et l'on tissait dans sa mémoire une tapisserie sans fin qui figurait son histoire. Mais pour noyer, changer en tout, ces tisseuses têtues qui sans cesse interrogent, il se maria comme un doge au cri d'une sirène moderne sans époux. Gonfle-toi vers la nuit, ô mer, les yeux d'esquale, jusqu'à l'aube guetté au loin avidement, des cadavres de jour rongés par les étoiles, parmi le bruit des flots et des derniers serments.
l'éternel azur, la sereine ironie, accable belle, indolemment comme les fleurs, le poète impuissant qui maudit son génie à travers un désert stérile de douleur. Fuyant, les yeux fermés, je le sens qui regarde avec l'intensité d'un remords atterrant mon âme vide. Ou fuir, et quelle nuit hagarde, jeter lambeaux, jeter sur ce mépris navire. Brouillard, montez, versez vos cendres monotones avec de longs haillons de brume dans les cieux qui noiera le marais livide des automnes et bâtissez un grand plafond silencieux. Et toi, sors des étangs léthéens et ramasse en t'en venant la vase et les pâles roseaux chaque nuit pour boucher d'une main jamais lasse les grands troubles que font méchamment les oiseaux. Encore, que sans répit les tristes cheminées fument et que de suie une errante prison éteigne dans l'horreur de ces noires traînées le soleil se mourant jaunâtre à l'horizon. Le ciel est mort, vers toi, j'accours, donne aux matières l'oubli de l'idéal cruel et du péché à ce martyr qui vient partager la litière ou le bétail heureux des hommes ébauchés. Car j'y veux, puisqu'enfin ma cervelle vidée, comme le pot de phare gisant au pied d'un mur, n'a plus l'art d'attifer la sanglotante idée, lugubrement baillée vers un trépas obscur. Je l'entends qui chante dans les cloches. Mon âme, il se fait voix pour plus nous faire peur avec sa victoire méchante. Et du métal vivant sort en bleu en jeu. Il roule par la brume, ancien et traverse ta native agonie ainsi qu'un glaive sûr. Ou fuir dans la révolte inutile et perverse. Je suis hanté. L'azur, 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 l'azur. Thank you.
cache et montre au cœur qui s'étonne la vérité comme une étoile. Elle nous dit, la voix reconnue, que la bonté c'est notre vie, que de la haine et de l'envie rien ne reste la mort. Elle parle aussi de la gloire, d'être simple sans plus attendre, et de noces d'or et du tendre bonheur d'une paix sans victoire. Accueillez la voix qui persiste dans son naïf épitala. Allez, rien n'est meilleur à l'âme que de faire une âme moins triste. Elle est en peine et de passage, l'âme qui souffre sans colère. Et comme sa morale est claire, écoutez la chanson bien sage.
Thank you.
Merci à tous. Alors, j'ai plein de gens à remercier, donc accrochez-vous. Déjà, merci à vous, parce que je trouve que... Alors, voilà, je viens de passer un moment important de mon parcours de musicien et je suis ravi de l'avoir partagé avec vous. Je trouve que un concert, c'est d'abord un échange et qu'une musique n'existe pas sans son public. Donc, vous avez pris partie prenante à ce qui vient de se passer, donc, et je vous en remercie beaucoup. Et puis, je remercie tous ceux d'entre vous, et je parle aux personnes du public comme aux personnes de l'orchestre, qui ont été très nombreux à contribuer à un moment ou à un autre, d'une manière ou d'une autre, à faire de moi le musicien que je suis aujourd'hui, que ce soit des professeurs, que ce soit des copains avec qui j'ai fait la musique de chambre à la montagne, que ce soit plein de gens que j'ai rencontrés par-ci, par-là, tout ça, ça m'a aidé à me former, et je voudrais remercier tous ceux qui ont participé, et en particulier remercier ceux qui sont présents et absents, mais qui ont participé pour m'offrir le magnifique instrument sur lequel je joue, le violon de papier. C'est un cadeau qui est immense et qui me permet aussi de me former. Donc je voudrais remercier cela également. Et je remercie mon père qui a fait beaucoup de régie pendant tout ce concert. Est-ce que vous savez que dans une Citroën C8, on rentre sans problème un conducteur, un passager, un violon, deux chaises de contrebasse, un pupitre de chef, 10 pupitres, deux timbales, deux contrebasses, une harpe et le chariot de l'art. C'est une excellente voiture, achetez une C8. Vous ne le regretterez pas. Merci à cet orchestre qui est constitué entièrement de connaissances, à qui j'ai envoyé un message en me demandant s'ils voulaient bien participer à mon récital, et qui ont juste dit oui, qui ont imprimé les partitions, qui les ont travaillées, qui sont venus à une répétition de 4 heures le lundi soir jusqu'à 23 heures, et qui font preuve d'une générosité énorme en venant ici. Je voudrais les applaudir très très fort. Un remerciement particulier à faire. Est-ce que on peut entendre dans le Moussorgski la mesure 10 au violoncelle? Je ne sais pas s'ils ont remarqué. Hein? Hey. Vous connaissez par cœur. Hein? Merci. Et c'est littéralement comme ça pendant toute la pièce. La page, c'est tout là. Donc bravo à vous et merci. Il a été convenu que je leur devais une bière après pour l'avoir orchestré un peu, que c'est dégueulasse. Merci à vous. Merci à ce conservatoire de me prêter cet auditorium, ces instruments et d'avoir assuré une bonne partie de ma formation depuis que j'ai commencé la musique. Et merci en particulier à Gémétral qui m'a bien accompagné, qui a fait du temps pour moi pour vérifier que j'avais tout ce dont j'avais besoin pendant ce récital. Donc merci beaucoup à vous. Et il me reste deux personnes à remercier, je voudrais beaucoup insister sur celle-ci, parce que ces deux personnes sans qui ça n'aurait pas été possible. Depuis que j'ai commencé le violon, j'ai eu en gros deux professeurs de violon. La première qui m'a, on va dire, appris toutes les bases du violon, ce qui est énorme, et la deuxième qui m'a appris tout ce qu'il y avait après les bases, je dirais. Et je voudrais vous m'aider à les applaudir très fort. Et Morgane et Marion, je vais avoir besoin que vous me rejoigniez. Merci à elle énormément. Voilà, ce concert est à présent vraiment terminé. Un pot vous attend à Bernstein au rez-de-chaussée, auquel vous êtes tous cordialement conviés. Je balade un peu mes yeux dans le public depuis tout à l'heure, il y a nombreux d'entre vous qui me fera bien plaisir de saluer. Donc merci beaucoup d'avoir été là ce soir et je vous souhaite une excellente soirée.